Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de la solution de Zelda Mystery of Solaris DX. Bonjour Mimi. Bonjour Chris. Voilà, donc nous sommes Mimi et Chris, prêts à vous commenter ce nouvel épisode. Alors on s'était arrêté la dernière fois, quand j'étais avec Bimbin, à la fin du premier donjon. C'est-à-dire qu'on a vu la poigne de fer qui nous permet de soulever les pierres blanches, comme celle que je viens de soulever. Hein. Je vais essayer de suivre, moi. T'avais regardé les vidéos, tu sais où on en était ? Oui, j'ai vu. Ok, alors... ici, on a une caverne avec deux entrées qui va nous intéresser très bientôt, mais on va pas pouvoir y aller tout de suite parce qu'il y a... À l'intérieur, on serait bloqué. Donc on va d'abord aller se promener par là-haut. En fait, maintenant que vous avez la poigne de fer, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller. Ça, c'est signé alors, Christopho, il y a plein d'endroits secrets à aller chercher, oui. Mais bien sûr dispersés dans toute la carte. Beaucoup d'endroits. Et alors Mimi a pas mal participé à la création du jeu, non seulement pour le tester, mais aussi pour dessiner plein de petits détails sur les maps extérieures. Hein, c'est bien ça que t'as fait. Oui. T'as reproduit en fait aussi les anciennes cartes. Alors ici, je suis dans la cabine télépathique. Désormais, Mamie Lily, elle va vous parler depuis ici. Elle vous donnera toujours des indications. Et à chaque fois que vous êtes bloqué, vous pouvez aller dans la cabine télépathique donc pour aller voir, pour aller écouter les conseils de Mamie Lily. C'est bien, les vieux, ils savent tout, en fait. Ouais, dans ce jeu-là, je pense qu'elle est un peu louche parce que c'est beaucoup de choses. On saura peut-être à la suite si elle est louche. Alors là, on a trouvé un fragment de cœur. Parce que on s'est laissé tomber dans un trou. Et en fait, il y a un indice à l'autre bout de la carte du monde. Il y a une pancarte qui vous dit le trou près de la fleur n'est pas aussi dangereux qu'il en a l'air. Donc c'était ça. Faut pas hésiter dans Zelda à sauter dans les trous, ce qui peut paraître peut-être bizarre en temps réel, mais... Oui. Dans Zelda, il faut sauter dans les trous. Souvent des passages secrets avec des trous. Comme ça, on voit un trou noir, hop, on saute dedans. Alors Mamie, elle nous a dit d'aller voir ça, sera là. Donc, le voici. Bravo, tu es venu à bout des épreuves. N'hésite pas à descendre dans ma cave pour trouver des objets qui te seront utiles. Et en effet, je sais pas si tu te souviens ce qu'on obtient dans sa cave. Non ? Je sais plus comme ça. Un objet qui va bien nous servir. Alors déjà 20 rubis, c'est pas mal. Ouais. Mais surtout l'arc. Ah ! Je me souvenais plus. Donc il ne manque plus que des flèches. Et il reste encore un coffre là qu'on peut pas encore atteindre. Parce que là il y a une pierre noire et pour l'instant vous pouvez pas soulever les pierres noires. Retenez cet endroit pour plus tard. Bien, bien, bien. Alors, 64 rubis. Y a beaucoup de coffres qu'on peut atteindre et des coffres qui contiennent des rubis. Donc, comme je suis limité à 100 rubis, je vais déjà dépenser un petit peu. On va acheter la tarte aux pommes. La tarte aux pommes, elle servira un petit peu plus tard. Même si elle a pas l'air bonne. Bon, si, elle a l'air appétissante. Elle a été faite par les pommes qu'on a cueillies nous-mêmes. Ouais, qu'on a acheté nous-mêmes au magasin. Dans le premier épisode, ouais. Alors, c'est des pommes bio, on va dire. Vous pouvez par exemple aller ici, il y a un coffre. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il contient 50 rubis. Et ça me sera plus utile par la suite. Mais ah bon. Je tenais à vous le signaler quand même. Et pourquoi tu le prends pas tout de suite? Puisque ton compteur de parce que est pas là, je vais aller vers les deux grottes qui sont au sud, là, du premier donjon. Et on va encore trouver plein d'autres rubis. Alors ici, il y a beaucoup de pierres. Il y a des pierres avec des fées. Enfin, au moins une. La pauvre fée, on sert dans un flacon. Et il y a beaucoup de pierres avec des rubis, justement. On peut aussi aller par ici. Là, c'est le petit passage secret. Il y a un passage secret avec 50 rubis. Voilà. Alors, on a l'impression qu'on pourrait passer par ici, on peut pas. Ou alors, on a l'impression qu'il faudrait les pierres noires, soulever les pierres noires. Mais c'est même pas la peine, en fait. On peut y aller dès le début, dès qu'on peut soulever les pierres blanches. Alors, je soulève pas toutes les pierres parce qu'il y en a beaucoup, notamment à droite, là, qui donnent plein de rubis. Et comme j'en ai déjà 80,
C'est peut-être pas la peine, on peut les garder pour plus tard. Il le connaît tout par cœur. Ah ouais, c'est ça la soluce. Voilà, donc ici on est dans la grotte avec les deux entrées. Pour commencer, il y a un coffre sur une plateforme qui est totalement inaccessible. En fait, on pourra pas la voir avant très très loin dans le jeu. Ouais, je confirme. Je vais pas vous dire tout de suite comment, mais pour l'instant on peut pas. Par contre, il y a cet interrupteur qui ouvre la porte. Alors Mimi, t'as pas totalement fini le jeu encore d'ailleurs. Et non, il me reste le grand méchant de la fin à battre, bien sûr. Mm. Tu as raison de ne pas dévoiler son identité. Voilà. Ah, j'ai trouvé des flèches. Justement, on va équiper l'arc. Ah, oui, parce que ton arc, mais t'avais pas de flèches. Pas encore. S'il faut pousser le bloc. Alors, il y a un deuxième coffre. Qu'on peut pas atteindre parce qu'il faut. Il y a un mur, il y a un bloc fissuré. Et tant qu'on n'a pas de bombe, on n'a aucune chance d'ouvrir ce coffre. Mais on ouvre un passage pour la suite. Hop, la statue a disparu. On a ouvert le passage, donc on peut sortir de la caverne. Et utiliser la seconde entrée, n'est-ce pas? Oui, oui, par là. Alors dans ce jeu, il y a beaucoup de reliquats d'anciens labyrinthes de la version RPG Maker. Signé Christophe. Ça, c'est ma signature. Hein. Il aimait les labyrinthes hein, depuis qu'il est petit, alors. Ah, je sais exactement dans lesquels il faut aller à chaque fois. Ici, vous avez des flèches, comme ça, vous êtes sûr d'en avoir. Après, il faut prendre celui-ci et on arrive dans un labyrinthe de tapis roulant totalement débile. Donc faut prendre celui du haut et ensuite celui du gauche. Voilà. Sinon on peut essayer pendant plusieurs minutes pour rien. Là au moins. C'est vrai que. C'est plus clair. Niveau énigme, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même. Alors ici. Faire perdre un petit peu de temps. Pour atteindre ce coffre, on va avoir besoin d'activer l'interrupteur de cristal. Et le seul moyen de le faire, c'est justement de tirer des flèches. Donc d'où l'intérêt d'aller chercher l'arc avant de venir dans cette grotte. Sinon, vous ne pouvez pas terminer la grotte. Et nous avons trouvé... La clé de roc. La clé de roc. C'est moi-même voilà. Qui ai dessiné cette petite clé d'ailleurs. Oui, c'est vrai, Lily a dessiné pas mal de clés. Enfin, dessiné, oui. Ici, on a la clé de terre, la clé de... Oups, la clé de roc. Il y en aura d'autres, hein. Et c'est toi qui les as faites. Bravo. Parce que moi je m'y étais essayé, mais ça avait vraiment rien donné d'intéressant. Bah, chacun son truc. Alors, 87 rubis. Là, on est prêt pour aller dans le deuxième donjon. Mais je vais quand même dépenser un petit peu de rubis. Parce que quand vous êtes dans un donjon, vous trouvez beaucoup de rubis. Ouais, en tuant des monstres. On va pouvoir acheter ce croissant par exemple. C'est bon les croissants. Voilà. Donc on sait qu'on a laissé un coffre de rubis dans la maison de Link et aussi au sud avec toutes les pierres. Et les croissants, bien sûr, moi, gourmand comme je suis, j'ai mis des croissants et des pains au chocolat dans le jeu. Voilà, et de la tarte aux pommes. Et une tarte aux pommes, ouais. On pourrait mettre plein de choses, mais bon, à transporter après ça fera un peu de... Voilà. Déjà qu'il a plein d'éléments à transporter, on sait même pas comment il fait pour les transporter. Comme dans tous les Zelda, ça c'est un peu magique. En plus, ouais. Alors, voilà l'entrée du donjon 2. Je l'ouvre et on y va. Belle entrée d'ailleurs. Magnifique entrée dessinée par New Link. Alors le donjon 2, eh ben, on va le faire dans le prochain épisode, n'est-ce pas? Voilà, voilà, c'était le chemin du niveau 1 au niveau 2. On a fait l'essentiel et je vous ai signalé les quêtes annexes, enfin les rubis qu'on n'avait pas pris. Y a encore des choses à faire parce que la carte du monde est relativement vaste. Et par exemple, maintenant que vous pouvez soulever les pierres, vous pouvez par exemple visiter le château qui est ici à gauche sur la carte. Là, on a décidé de ne pas y aller maintenant parce que ça sera plus utile entre le niveau 2 et le niveau 3 par exemple. Mais voilà, c'était pour dire que vous pouvez visiter pas mal de choses. Ok. Et bien sur ce. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour le deuxième donjon. Bientôt.